Qu'est-ce que vous pensez si on travaillait un peu sur le thème des saisons? Oui. Je crois que ce qui m'intéresserait, c'est de donner l'impression des saisons, enfin, disons, le printemps, bien entendu, le printemps, l'été, oui. L'automne, oui. L'hiver. Alors peut-être on pourrait essayer le... C'est séparé, ce sont des séquences séparées. Ce sont des séquences séparées. Non. Mais ce qui serait bien, c'est de donner le rythme et l'atmosphère du printemps, comme vous le sentez. Et moi, je vais voir si, ce que je peux faire à travers... Oui, oui. Bon. Vous m'arrêtez tout de suite si ça ne convient pas du tout au point de vue... Je ne vous arrêterai idée. Pas. Je vous laisse. Si. Marcel Marceau a toujours utilisé la musique comme illustration de ses pantomimes. Il arrive qu'il ait des pantomimes complètement dans le silence, mais la plupart sont accompagnés de musique. Naturellement, pour lui, c'est une chose... Le choix de cette musique est une chose très importante. Central que je vois dans les quatre saisons, c'est l'arbre. Oui. Alors c'est l'arbre, oui. Au printemps, et autour de l'arbre, c'est l'homme avec la semence. Puis arrive, oui, l'été, c'est encore l'arbre, l'amour et la chaleur et l'orage. Oui. Ensuite l'automne, tout fuit, c'est toujours l'arbre qui perd ses feuilles, les oiseaux qui s'envolent, la chasse, oui, et les amours. Oui. Perdu. Et ça, vous êtes romantique, et je suis sûr que là, vous trouvez cette chose extraordinaire que vous avez, qui consiste à la donner en musique. Et ensuite, il y a l'hiver, pour moi, c'est toujours l'arbre, mais alors on a abattu l'arbre, c'est l'arbre mort, et c'est la vieillesse. Oui. Mais alors je ne termine pas, dans mon idée, je ne voudrais pas terminer sur la vieillesse, mais sur l'arbre qui recommence, et au fond c'est la jeunesse qui reprendra. Il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de mort.